bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer un dessert très très bon et aussi il est très très simple à réaliser. C'est une préparation italienne, il s'agit du panna cotta. Alors panna cotta, premièrement, on aura besoin de 250 g de crème fraîche et 150 g de lait. Vous mélangez l'ensemble, crème et lait, et vous portez à ébullition. Alors, pour votre panna cotta, vous pouvez la parfumer, soit la vanille, gousse de vanille fondée en deux que vous laissez infuser, panna cotta au café, panna cotta avec citron, goût orange, ce que vous voulez. Mais là, je vais la laisser goût vanille, donc je vais mettre un peu de vanille dans mon mélange crème et lait. Et entre-temps, vous aurez besoin de 3 feuilles de gélatine que vous mettez dans l'eau froide. Alors, une fois le mélange commence à chauffer, vous rajoutez 50 g de sucre, entre 50 à 60 g de sucre semoule. Alors, à ébullition, vous retirez. Et là, vous allez rajouter vos feuilles de gélatine ramollies. Vous essorez vos feuilles de gélatine. Essorez les feuilles de gélatine. Et vous les rajoutez à notre préparation crème, sucre et lait. Et là, on va commencer à remplir nos coupes, soit des verrines, soit des coupes, c'est à vous de juger. On ne va pas remplir, on va laisser un tout petit peu pour la décoration. Alors une fois que vous avez rempli vos coupes, alors là c'est un dessert pour 4 à 5 personnes, ça dépend aussi de la taille des moules et des pots que vous voulez utiliser. Ça peut être des rations plus grandes, mais comme le panna cotta c'est vraiment très très fin, il vaut mieux que ça soit dans des petites coupes ou dans des verrines, c'est plus joli et c'est plus beau à manger et à voir. Alors là je vais mettre au frais pendant au moins 30 minutes, 1 heure, le temps que ça prenne, ça refroidisse, pour que je passe à la finition. Alors pour la finition de notre panna cotta, aujourd'hui je vais vous présenter panna cotta fraise avec un peu de menthe, 100 g de fraises, bien sûr lavées, que je coupe en petits morceaux. Alors voilà, je rajoute 50 g de sucre glace. Vous laissez le temps que les fraises seront dégorgées, c'est-à-dire ils vont libérer l'eau de végétation qui sont dans les fraises. Après, on va mixer. Alors après refroidissement de votre panna cotta, on va mettre un coulis de notre mélange fraise. Et vous mettez deux fraises, deux fines tranches de fraises par coupe, et on peut mettre également une petite feuille de menthe. Ici notre panna cotta avec son coulis de fraises menthe. Bon appétit.